On m'avait dit, tu vas voir, quand t'arrives au Saguenay, c'est comme un royaume. On m'avait pas menti. Même si ça fait pas une année que je suis arrivé à l'Université du Québec à Chicoutimi, j'ai l'impression d'en avoir vécu 100. J'ai fait des tas de trucs. J'ai goûté à la tarte au bleuet, à la tourtière, à la poutine. J'ai vécu les moins 30 de l'hiver. Moins 35 avec le vent. Tout comme la canicule de l'été. Plus 35 avec l'humidité. J'ai fait les Mont-Valin en raquette, j'ai conduit un traîneau à chien, j'ai appris à patiner. Bon, d'accord, j'apprends à patiner. J'ai connu des gens hyper sympathiques, chaleureux, accueillants. J'ai même appris la langue. Arrête de faire simple. Mais t'es bon. J'ai aussi rencontré des gens de partout dans le monde. Du coup, j'ai appris un tas de trucs. Comme par exemple, c'est pas possible d'aller voir les Rocheuses en week-end. Le Québec, c'est trop immense. De toute façon, pas besoin d'aller ailleurs. Même les Québécois, ils viennent en vacances ici. Même si c'est immense ici, à Lucac, il y a tout à 5 minutes. Il y a les cafés, les cours, les boutiques. Il y a des jours où je fais tout à pied. Ou à ski. Ou bien à vélo. À Lucac, j'ai eu accès à des enseignements de grande qualité et à des professeurs accessibles, disponibles. Mais d'être loin de chez moi, dans un autre pays, ça m'a aussi appris à me connaître, à grandir, à me transformer. Mais même après avoir fait tous ces trucs, j'ai l'impression qu'il m'en reste 100 fois plus à faire. On m'avait dit que je partais étudier dans un endroit unique. Mais ce qu'on m'avait pas dit, c'est que je voudrais plus jamais en repartir.